te ramener ta voiture, figure-toi. Ma voiture? On t'a programmé une journée d'enfer. Yes! Elle te plaît pas, la copine? Si, mais essayez de draguer Homer Simpson. Le snobinard à lunettes qui tourne la tête dès qu'il me croise? Lui-même. Et en quel honneur? Eh ben, il avait des fuites dans son appartement. Et puis, en attendant que le plombier intervienne, je lui proposais de venir prendre sa douche avec chez nous. M comme Marc, je suppose? Non, à P. P comme pétasse. A fait ce crétin? Eh bien, apparemment, il l'aurait trompé. Quoi? Comment a-t-il pu faire? N'exagérons rien, j'ai mes petits défauts comme tout le monde. Oh, mais j'y suis. Oh, mais c'est le voisin. Le voisin? Ah oui, celui qui vient prendre sa douche quand t'es pas là. Ah non! Morgane. Tu connais quelqu'un qui peut t'héberger? Oui. Il n'en est pas question. C'est quoi cette horreur? C'est qui dans la salle de bain? Ma fille, espèce d'inconscient. Ah, tu me rassures. Ce coup, je veux que tu t'es trouvé une nouvelle copine. Oui, puis je lui donne rendez-vous chez ma femme. Mieux que ça. Oh, c'est un cauchemar. Mieux que ça, tu souffres. Tu m'emmerdes. Ken. Comme le fiancé de Barbie. Ouais, c'est drôle. Qui s'appelle là? Finalement, le premier choc passé, il n'est pas si mal, ce petit voisin. Mais maman, quoi, puisque je te dis que je t'approuve, bon, j'ai quand même un petit faible pour l'autre. L'autre? Quel autre? Vous? Vous n'êtes pas client à la bagatelle? Eh bien, tant pis pour vous. J'ai une roue de secours. Très flatté. Tu sais pas parler français? À votre tour, cherchez dans le dictionnaire, hein? Sophie, réfléchissez, si vous laissez un tel, vous risquez fort de vous attirer des ennuis! Ça m'est égal! Sophie! Je connais votre sentiment, j'ai vécu la même chose! Très bien, alors échappons-le toutes les deux, hein? Non! Traitons-le plutôt avec mépris! D'accord, voulons-lui dans les plumes avec mépris! Réagissons, éclatons-nous, en résumé, ne nous laissons pas!